Bonjour tout le monde. Je me présente d'abord, Catherine Dumas, présidente de la compagnie NOLU, No One Left Unloved. On est invité aujourd'hui à Défi Montréal pour parler de santé numérique et aussi des éléments d'intelligence artificielle qu'on utilise dans le cadre de nos activités. Alors, on est toujours bien content de venir ici présenter notre compagnie qui a beaucoup évolué et qui aujourd'hui se positionne dans la santé numérique en tant que social tech parce qu'on a développé une application de rencontre spécifiquement pour les personnes en situation de handicap pour leur permettre de sortir de l'isolement, de la solitude. Alors, le modèle des social tech est assez nouveau. C'est un modèle qui prend des entreprises à but lucratif, mais ancrées dans une mission sociale très claire. Et pour NOLU, notre mission est la promotion de l'inclusion émotionnelle des personnes en situation de handicap, mais quand même appuyé sur un modèle d'affaires très intéressant puisque à la base, l'application, elle est basée sur des abonnements récurrents. Donc, c'est un modèle qui est très intéressant et qui supporte la capacité de l'entreprise à promouvoir finalement l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, aujourd'hui, en 2023, c'est des compagnies qui commencent à avoir une très grande visibilité et on vous invite le 24 mai prochain à l'antenne de Réseau-Canada à l'émission Des Dragons de voir comment une social tech comme NOLU se défend avec les dragons et déjà d'être là, c'était pour nous une expérience extraordinaire.